Bonjour, bienvenue à l'INSEM de Lille. Je suis Antonio Diaz, le directeur du campus de l'INSEM à Lille. Soyez les bienvenus. C'est une école qui a été créée en 1780 par le duc La Rochefoucauld-Liancourt et qu'aujourd'hui est à plusieurs sites en France, 8 sites. C'est une école nationale, multisite, et que, un des sites, c'est Lille, c'est à Lille. Nous avons la chance d'être en plein centre-ville, dans un bâtiment historique, dont une grande partie est patrimoine, qui a été bâti, qui a ouvert ses portes en 1900. Et le projet de ce bâtiment, c'est un projet qui a été fait déjà pour l'école. C'est-à-dire que ce n'est pas un bâtiment qui a été utilisé auparavant pour d'autres choses, c'est un bâtiment qui, dès le départ, a été construit et dessiné pour l'école. Voilà, il a ouvert ses portes en 1900 et depuis, nous sommes toujours là. Aujourd'hui, avec autour de 600 usagers. C'est une école d'ingénieurs généralistes, plutôt orientée génie mécanique, industriel et énergétique. Donc c'est une école très ancienne qui est portée par ses valeurs, par de nombreuses valeurs de solidarité, de fraternité, qui est en lien, qui a un lien très fort avec les industriels, avec les entreprises et surtout les entreprises du territoire, puisque nous sommes une école nationale régionalisée, donc répartie sur toute la France, sur 8 campus. Et donc par exemple pour Lille, nous avons des partenariats très forts avec les entreprises et les institutionnels du territoire. Et donc bien sûr, nous formons des élèves ingénieurs en 3 ans. C'est une grande école d'ingénieurs. Il y a ce que nous appelons un diplôme classique des ingénieurs arts et métiers, qui est bien connu en France. Et après, nous avons des masters recherche, des masters spécialisés. Et nous avons aussi un nombre déjà très significatif d'étudiants qui font leur thèse de doctorat. La plupart des thèses doctorat qui sont développées ici, c'est sur des sujets industriels, avec des contrats partenariaux directs avec des partenaires industriels, ce qui intéresse aussi beaucoup nos élèves qui font ce type d'études. Pour l'entrée à l'INSEM, il y en a plusieurs possibilités. La plupart, la grande majorité des élèves, ils font une classe prépa et après il y a un concours national. Bien sûr, il y a aussi d'autres passerelles possibles, sous dossier. Bon, il y a des gens qui entrent aussi parce que l'école joue aussi un rôle d'ascenseur social. Et dans ce cas-là, il y a toujours un pourcentage d'élèves, un pourcentage qui est réservé à d'autres types de recrutement autres que les classes préparatoires. Ici, on est des anciens ateliers de l'école. En 1900, c'était des ateliers de la forge, de la fonderie, d'autres types d'ateliers, enfin du métier d'ingénieur mécanique à l'époque. Aujourd'hui, ici, nous sommes dans des laboratoires. Avec une particularité, c'est qu'à l'INSEM, les laboratoires sont, dans la plupart des cas, des laboratoires à l'échelle industrielle. Vous pouvez voir que derrière moi, il y en a des machines qu'on peut trouver dans une industrie, dans une vraie industrie. Et nos élèves, ingénieurs, ils ont quand même l'opportunité de travailler avec ces machines-là, ainsi comme nos élèves doctorants qui font leur thèse, développent leur recherche dans le cadre d'un environnement plutôt industriel. Nous proposons donc une formation. La formation historique est une formation d'ingénieur technologue. C'est une formation basée sur le génie industriel, mécanique et énergétique principalement. La formation se déroule en 3 ans.
donc 2 années d'apprentissage théorique et pratique, mais assez généraliste finalement, donc avec les outils de l'ingénieur et des matières comme la mécanique des fluides, la mécanique, l'énergétique, la conception, donc tous ces types de matières. Et enfin, en 3e année, ils doivent effectuer et choisir une expertise qui est plutôt orientée, par exemple, aéronautique, création d'entreprise, biomédical, transport. Par exemple, sur le campus de Lille, nous proposons 2 expertises et bientôt 3. Une 3e va s'ouvrir en septembre. Donc, une expertise en conception de produits transport terrestre, la seconde en robotique mécatronique. Et enfin, la 3e qui va ouvrir en septembre en gestion industrielle. Donc, c'est sur tout l'aspect supply chain, logistique, recherche opérationnelle, etc. J'ai choisi les arts et métiers pas simplement parce que c'est une école d'ingénieurs. C'est une très bonne école d'ingénieurs, mais c'est aussi une école humaine. Nous, les élèves des arts et métiers, on prône beaucoup de valeurs humaines autour de l'individu, faire attention aux autres. On a des valeurs très, très humaines et on essaye d'appliquer ça tous les jours dans toutes les actions qu'on fait avec l'association des élèves, toujours tournées vers les autres. Et ça nous permet, par exemple, de demain faire de nous un manager, pas seulement un manager compétent, mais un manager humain et qui fait attention à ses équipes. On essaie toujours d'avancer avec les besoins du monde industriel, donc faire évoluer également nos formations par rapport aux besoins des entreprises. L'idée n'est pas de former des ingénieurs pour avoir une formation obsolète, mais justement les former à avoir un esprit logique, à avoir un esprit d'innovation et de connaître le monde de l'entreprise et le monde industriel. Ça repose vraiment sur le triptyque formation, recherche, valorisation avec les entreprises. Et ce triptyque est très important parce que la formation est adossée à la recherche qui elle-même s'appuie sur les entreprises, notamment entreprises du territoire, afin d'être toujours justement à la pointe de l'innovation. Donc nos élèves bénéficient des connaissances et compétences d'une part des entreprises et d'autre part de nos enseignants-chercheurs qui sont également en lien avec les entreprises. On a une très grande solidarité donc, entre les étudiants mais aussi à l'extérieur. On a essayé de mener beaucoup d'actions à ce niveau-là. Donc, il y a par exemple, on fait le don du sang régulièrement. Il y a au début de l'année donc, les élèves qui font la quête pour... Une association Habitat Humanisme. Habitat Humanisme. On a également des élèves qui, donc, cette année, ont rénové donc, une digue de la Deule à Lille. Donc c'était les premières années qui ont rénové ça au début de l'année. Et, voilà, Années précédentes, c'était repeindre une école ou nettoyer la citadelle, par exemple. C'est des actions bénévoles pour la ville. C'est un travail d'intérêt général pour la ville. Voilà. Qu'on fait de bon cœur, parce qu'on trouve que c'est une bonne chose de donner de nous-mêmes. Et on peut souligner aussi le fait que du coup, la ville de Lille nous a remis cette année le prix d'intégration solidaire et responsable, donc dans le cadre du lancement du label, ce qui souligne un peu cette responsabilité l'intégration solidaire. Quand on commence à faire ça, on se rend compte qu'il y a une vraie plus-value sur le diplôme d'ingénieur. On n'est pas seulement des ingénieurs lambda de grande école, mais on est un ingénieur humain de grande école. C'est-à-dire qu'on est vraiment tourné vers l'autre et on apprend autre chose que des spécificités mécaniques, industrielles ou de commerce, des choses comme ça. Puis c'est quelque chose aussi qui nous tient à cœur, c'est des valeurs qui nous sont chères d'aider les autres et de se centrer d'entre nous. Nos élèves, ils sont très demandés. Nous avons la chance qu'ils soient très demandés. Une grande partie, la plupart, je dirais, bon, ils trouvent facilement juste, même avant d'avoir fini les études, et en profitant des stages obligatoires à la fin du diplôme, ils trouvent facilement du travail. Et voilà, ils ont un salaire d'embauche très appréciable. Et un tiers de nos élèves travaillent à l'étranger.
Déjà, l'année prochaine, je vais faire ma troisième année donc, en Nouvelle-Zélande l'année prochaine pour me spécialiser et finir de construire mon projet professionnel. Donc, c'est un master en génie civil. Ensuite, du coup, faire de la conduite de travaux. Parce que c'est un métier qui est très humain et qui a aussi la possibilité de travailler à la fois sur le terrain, mais aussi plus avec des ingénieurs pour résoudre des problématiques d'infrastructure quand même, de l'innovation, la modernité, etc. La conservation du patrimoine. L'année prochaine, je fais un master spécialisé en Angleterre en propulsion aérospatiale et c'est le domaine dans lequel j'ai envie de travailler plus tard. Donc en sortie de mon master spécialisé, directement je m'oriente vers cette branche. Dans des entreprises spécialisées dans l'aérospatiale. Une fois sortis de l'école, lorsque les élèves sont diplômés, nous les retrouvons principalement dans l'industrie et les transports, donc à peu près à 25% d'entre eux, aussi principalement donc dans les grands groupes pardon, en tant que cadres, mais également dans le secteur de l'énergie, du BTP et de plus en plus dans le secteur du conseil. Donc conseil aux entreprises, et puis dans d'autres types de secteurs industriels, type métallurgie, construction mécanique. Les métiers de l'ingénierie, quand un élève sort de l'école, les métiers sont extrêmement diversifiés, donc ils peuvent se retrouver aussi bien en recherche et développement, en bureau d'études, mais également sur le terrain, donc en logistique, sur des sites de production, des sites de maintenance, dans le BTP, c'est-à-dire dans la construction de bâtiments. Enfin, les métiers sont extrêmement diversifiés. Le petit plus sont les compétences avec lesquelles nos ingénieurs, jeunes ingénieurs diplômés sortent de l'école, avec la possibilité d'avoir touché à des problèmes concrets de l'industrie. Voilà. Avec des machines de l'industrie, sur des sujets de l'industrie et surtout avec une culture industrielle. Voilà. Ça, c'est l'atout de notre école. Une fois les élèves diplômés, 95% d'entre eux trouvent un emploi avant 6 mois. Ce taux d'embauche très élevé à court terme, en effet, démontre que les entreprises sont vraiment très contentes de nos élèves, que la formation est reconnue et qu'ils sont satisfaits.